Y'a dans le sud de la Louisiane, et dans un coin du Canada, des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Et quand ils font de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudeau. Ils rêvent encore de l'Amérique. J'avais aimé leur grand-papa, qui pensait peu, qui pense pas. Tous les Acadiens, tous les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Ils sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette pour se mettre de la crème sur les joues. Mais ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Et puis s'en vont faire de la musique comme celle de Rufus Thibaudeau. Faut oublier que l'Amérique c'est plus celle de leur grand-papa. Ça a bien changé depuis ce temps-là. Tous les Acadiens, tous les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains, sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Quand ils ont bossé 6 jours de fil pour une poignée de dollars dévalués, ils montent dans la vieille Austrobile et foncent dans la ville d'à côté pour écouter de la musique, celle du grand Rufus Thibaudeau. Et pour repeupler l'Amérique, la manière de grand-papa, y'a plus que ça qui ne change pas. Tous les Acadiens, tous les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Ils sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Tous les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains, sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon.